Salut les amis et bienvenue pour un nouveau petit SF Ashram, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super, pardon, même si j'ai un chat dans la gorge et voilà, j'ai tout ça, mais mis à part ça, ça va très bien. On va tester un nouveau petit jeu qui s'appelle Inked ou Inked à la française, qui s'appelle... voilà, qui est un nom pas super facile à prononcer pour les francophones. Mais bon, on s'en fout un peu. Alors, c'est un jeu que j'ai fait en achat compulsif, complètement, voilà, complètement... j'ai acheté vraiment... j'ai vu une image du jeu, je l'ai acheté, voilà, en gros. Et je sais pas du tout, de quoi il en retourne. Donc à première vue, ça a l'air d'être un jeu un petit peu narratif, un petit peu d'énigmes comme ça et tout. Donc on va bien voir. Mais en tout cas, ce qui m'a attiré, c'est l'esprit. C'est l'esprit visuel, quoi. Ça a l'air vraiment très, très recherché visuellement. Et voilà, il y a des jeux comme ça qui vous font de l'œil. Et vous cherchez pas à savoir, vous sortez la carte et shut up and take my money. Ok, bon, allez, c'est parti. On va se faire une petite ou une grosse demi-heure de gameplay. Et on verra bien si on se fait un let's play là-dessus. Donc je ne sais même pas s'il est long ou pas. Je ne sais pas du tout, franchement, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, franchement, je connais pas du tout ce jeu. C'est, je pense, un jeu qui est pas sorti sur nos consoles, parce que c'est... Généralement, je fais fort attention à ce genre de jeu, des petits AD, etc. Et il me dit, mais vraiment, vraiment rien du tout. Mais bon, voilà, il a peut-être pu me passer au-dessus de la tête, j'en sais rien du tout. En tout cas, toujours est-il que on va le tester aujourd'hui. Et je sais même pas depuis combien de temps il est sorti, pour vous dire. Donc voilà, on va regarder dans les paramètres. Ouais, c'est bon, ok, blablabla. Les commandes, on verra ça. Bon, ça me paraît fort épuré. Allez, c'est parti. Nameless Hero appears. Donc on joue un ancien Ronin qui veut prendre sa retraite ou un truc comme ça. Ça c'est tout ce que j'ai lu dans le petit synopsis sur Steam. Mais voilà, je me suis pas aventuré plus loin. Tout ça pour avoir la même surprise à l'écran que ce que vous n'allez l'avoir si vous ne connaissez pas le jeu. After a while, our hero remembered he had somewhere to be. Ok. Bon. On va... On suit le chemin. Ok, c'est quoi ça? Ok, donc il a fait la guerre en fait. Ah oui, c'est un badass en fait. C'est un gros badass, mais qui regrette aujourd'hui. Un badass avec du cœur. Parce que c'est pas le tout de trancher des artères et d'arracher des têtes. Est-ce qu'il faut penser aussi à notre petite sensibilité, quoi? Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Se regarder dans l'eau? Ah merde, il jette son épée. You dare betray me? I am your creator. Ok. Ah, d'accord, en fait. Ok, ça c'est cool, ça. Ça c'est cool. Donc en fait, ce serait le dessinateur du dessin qui est le maître du renard, quoi, en fait. C'est assez cool, ça c'est assez méta comme histoire, c'est plutôt original. Ok.
Alors, bon. Que se passe-t-il? Mais rends-moi mon chapeau, hein. Saloperie. Je vais te... Si je fais la même chose qu'au gars avec qui je suis parti en guerre, ça va mal... Ça va pas le faire, hein. Ah, en dessous d'un cerisier en forme de cœur, qu'est-ce qu'il y a de plus nostalgique et romantique. En tout cas, au niveau de l'ambiance, franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien... C'est original. Hey, ah, Adam. C'est cool ça. It's Claire, but you c'est bien already fait. Know that, which is probably why you're not answering. Anyway, I'm just checking in on you, because that's what friends do. We are still friends, Adam, right? I never wanted to get between you and Eve. I hope you'll pull yourself together in the end. Then maybe we could okay, grab a coffee. Ok, donc c'est un triangle amoureux en fait. Anyway. Just a thought. Bye. Our hero and his love rested by the lake. Oh, this is you. Il est énorme, ce Zozio. Ah ok, voilà notre arme. Donc on va plus, on va plus jouer du sabre, mais du pinceau en fait. Our hero had no choice but to pick up his love's pen okay. And follow. Faut toujours la suivre. Purée. J'étais tranquille en train de méditer et tu me casses les bonbons. Allez, t'es où? Ah, c'est joli. C'est très joli. Ah ouais, voilà. Ah, ça va être l'image de la miniature. J'ai trouvé la miniature. C'est super joli. Voilà, c'est pour ce genre de truc, de jeu, de moment que moi j'achète un jeu sans même réfléchir. Des fois j'étais déçu, hein, mais il y a des fois où voilà, par exemple pour Gris, ça fait penser pas mal à Gris dans un autre domaine, hein, mais au niveau très très artistique, artisanat, enfin dans l'artisanat quoi, où on sent que tout est fait à la main et tout et tout. Et il y a des fois où ça m'a, bah voilà, où j'ai eu des mauvaises surprises parce que le gameplay n'était pas au rendez-vous, des trucs comme ça. Oh, cette manière d'ouvrir le selfless, truc, our hero is. Mais à côté de ça, j'ai eu aussi des surprises, de très très bonnes surprises. He fed the birds, and now they are bound by loyalty to the very end. Ok, bon, c'est cool. J'ai des nouveaux potes, c'est des oiseaux. Ah non, pas des oiseaux, c'est des trucs d'elfes. Alors, Our hero and his love started going back to the lake, hoping to still catch some sun. Tout ça pour un putain de piaf. Foutez-nous la paix. Ils sont en train de se battre? Ah, purée, ok. Ah, c'est super bien fait. C'est vraiment original, en tout cas. Ah, j'aime bien l'idée. Alors, qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connard. Nalbe, quand tu nous tiens. Bon, des taches d'encre partout. Our hero c'est cool. Began the quest to save his loved one, Aiko. Ok. The cherry trees reminded our hero of her,
He knew that from that moment on, he could always count on them as a safe place. D'accord, donc c'est des points de sauvegarde en gros. Oh, et cette manière d'ouvrir les interrupteurs, c'est super classe. Oui, A pour sauter, d'accord, ok. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Je ne sais pas, ce sont des ombres qui vaquent à leurs occupations d'ombre. Ah, un encrier. Ok, j'ai chopé une tache d'encre, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? C'est un labyrinthe, mais... Ah non, ok, il a bêtement ouvert la porte, ok. Merci, jeune personnage que je ne connais pas, absolument pas le nom. Notre héros s'aventura sur la mer de la géométrie simple. Our hero ventured okay. into the sea of simple geometry. Ouais. Ah, ok, je vais pouvoir faire. Je présume. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc je peux faire. Popper des petits carrés comme ça, des petits cubes en tout cas. Voilà. Même la musique, c'est vraiment. C'est un dieu jaloux. Oh, ok. Purée, cette voix, quoi, ça met... C'est quoi ce truc? Allez, vite, 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 vite. Ok. D'accord, donc... il va très probablement falloir... se prendre la tête pour... Pour aller plus loin, est-ce que je devrais pas... Ah merde, ok. D'accord. Ah ok, je pense que j'ai compris. Si je fais le carré là... Comment je fais les carrés? Taper ce truc là et je vais mettre un autre carré dessus, voir ce que ça fait. Est-ce que je peux faire deux carrés? Ça, je suis pas sûr. Voilà. Ok. Ah. Ah bah oui, bêtement, si je mets le carré... ah ouais, ça passe. Ok. Voilà. Ok, jusqu'ici, ça passe, c'est assez simple. Une sphère. Ok. C'est quoi? Sache reconnaître l'ami de l'ennemi. Pas sauter bêtement sur le truc. Ah merde. Qu'est-ce que je peux faire? Là je peux pas aller. Est-ce que je dois mettre le rond là-bas? Ah purée, je suis presque mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-bas?
Non. Ok, bon. D'accord. Bon. Je comprends pas. Comment je peux passer? J'aurais rien oublié là-bas? Non, là-bas, c'est, je peux pas faire demi-tour. Il y a un truc à faire avec ce drapeau, peut-être? Non. Qu'on puisse faire ça. Non, je peux même pas tomber dessus. Ok, bon. Première prise de casque, les amis. Et je vois ici que ça a l'air assez cassé. Il n'y a pas moyen de balancer quelque chose dessus, non. Non, il n'y a pas moyen de le pousser. Ce qu'elle fait. Il y a moins de rien à faire avec, non. C'est un peu bizarre comme truc. Ah, il y a peut-être... Peut-être qu'il y aurait moyen de... Non. Non, je sais pas. Bah franchement, je comprends pas du tout, là. Je comprends pas du tout. Il faut, je pense pas qu'il faille sauter sur le. Non, je pense. Oh merde! Ah bah ben non, il fallait pas sauter dessus. D'accord. Un rond plutôt, hein. Mais pour aller où, je ne sais pas. Franchement, ah, peut-être là-bas, d'accord, ok. Mais non, même pas. Purée, mais c'est. Il y a un truc que j'ai raté, c'est pas possible. C'est juste, pour le moment, c'est juste impossible de faire quoi que ce soit. Ah merde! Oh là là! Ça me prend la tête! Eh ben franchement, je vais vous dire, j'ai regardé la soluce, je le reconnais.
Eh ben, c'était un truc retors de malade. Donc, il va falloir recharger la sauvegarde et... Parce que là, en fait, je suis vraiment bloqué. Pour le coup. Sélection de chapitre. Je pense que j'ai pas le choix de prendre ce chapitre-là. Eh ben, franchement, si c'est comme ça, tout le jeu, ça va être chaud. Hein, parce que c'est vraiment une solution à la... Ouais, je peux pas le savoir, en fait. Honnêtement, si tu regardes pas la solution... Bah si, c'est logique, hein, il suffit de bloquer, en fait, il suffit de bloquer bêtement la porte. Mais t'y penses pas. Donc voilà, c'est quand même... Si c'est que des trucs comme ça, franchement, ça va être chaud de le finir sans celui ça. Parce que là franchement, j'aurais jamais pu savoir qu'il fallait bloquer la porte avant même d'arriver, en fait. Donc avant que l'animation se mette, bah tu es obligé de bloquer la porte. Sinon c'est terminé, en fait. Tu peux plus, t'as plus une chance de passer. C'est assez chiant, en fait. Parce que c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas logique. Si c'est logique, mais le problème c'est que si tu rates ton coup une fois, bah, c'est trop tard. Quoi. Tu dois recharger toute ta sauvegarde et tu peux. Our hero ventured into the sea of simple geometry. Voilà, tu peux chercher pendant des heures pour rien, en fait. Bon, allez, c'est pas grave. Après 10 minutes de jeu, il y a déjà gros défaut, je trouve. Mais bon, voilà. Allez, on pardonne parce que visuellement, c'est quand même joli et tout et tout. Mais je trouve ça pas très logique de faire des énigmes comme ça. Et surtout des énigmes qui obligent à recommencer d'un autre point de sauvegarde si on n'a pas réussi. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, il fallait. Quand on le sait évidemment. Hein, ça devient plus facile, hein, mais faut-il encore le savoir, quoi. Allez, c'est pas grave. Alors, tac. Voilà. Ok. On fait ça. On va là. Hop, voilà. Ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, en fait, ici, avant même d'avancer, il faut taper le carré dans l'entrebâillement de la porte, en fait. Tac, voilà. Et il faut le taper. Il faut taper le carré, là, voilà. Avant même, voilà. Faut le savoir quand même, hein. Franchement, faut vraiment le savoir. Hein. Voilà. Purée, quoi. Honnêtement, c'est assez ouf quand même comme truc. Mais bon. No friend from far. Ça, je reconnais l'ami de l'ennemi. Ok. J'ai compris, je pense. Ça me paraît pas très compliqué. Non, c'est pas celui-là qu'il faut, c'est celui-là. Voilà. Hop. Magnifique. Ok. Alors, ça se passe pour le moment. Ça, c'est pas trop compliqué. Ok, donc à mon avis, je vais devoir ici faire ça peut-être. Ah, ok, d'accord. D'accord. Par contre, l'ambiance musicale est vraiment top. C'est vraiment très minimaliste et tout, mais je pense que le OST, je vais me la télécharger. Ok. Will our hero ever see his love again? D'accord, donc on va se stopper là.
On va se stopper là pour le premier épisode en tout cas, avec ce récit complètement cubique, qui est vachement cool. Et on verra bien, on fera le prochain épisode très bientôt. Voilà, ça, en tout cas c'était cool. Voilà, il y a juste eu ce petit bémol, je dirais, pour la première énigme. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'était un petit peu tiré par les cheveux, je trouvais, mais bon. Voilà, c'est pas dramatique. En tout cas, visuellement et artistiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Ça, c'est clair. Et ça me donne envie de... Ça me donne vraiment envie de le continuer, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous. C'est important. C'est vraiment important. Et je pèse mes mots quand je le dis. Prenez vraiment bien soin de vous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous fais de gros bisous. Et voilà. Salut.